Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Prisoner Architect. Alors je suis toujours en train d'essayer de me prendre la tête pour brancher cette foutue. Et pourquoi elle veut pas alors que peut pas y avoir 10 liaisons, c'est 8 liaisons je crois, à peu près 8 ouais. Là j'en ai que dalle quoi. Sur celui-là j'en ai que 2 par exemple. Sur celui-là, j'en ai pas non plus des masses. 1, 2, 3. Ouais, c'est juste impossible que je sois rendu au maximum, donc il y a un truc qui m'échappe totalement. Bon. Je vais attendre un peu avant de m'énerver. Là, j'ai vu un icône, j'ai pas eu le temps de lire ce que c'était. Je crois que j'étais obligé de faire venir un gros tuyau ici. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'électricité. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Sérieux. Ah, il y a eu une bataille. Ouais, j'ai 5 gardes de libre, je sais pas ce qu'ils foutent. Alors, normalement, je crois avoir fait la morgue. Ouais, elle est là. Ouais, ça continue, hein, mais qu'est-ce que font les gardes? Je vais en mettre un certain nombre en plus parce qu'ils ont pas l'air de trop se déplacer. Bon, je crois que c'est plutôt calme maintenant. Il y a eu juste un mort. C'est comme ça. Peut-être que ma caméra ne veut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'électricité. J'espère que c'est ça. J'espère que ce n'est que ça. Bon, bah là, ils ont beaucoup de travail. Ceci dit, ils ont l'air d'avoir fini à peu près tout ce que je leur avais donné à faire. J'ai dit que normalement, je voulais réinstaller une caméra ici. Ah, je l'ai fait déjà. Ah non, elle est en cours d'installation. Ok, tout a l'air de fonctionner. Là, on est sur une période de travail. Ah, sauf qu'on n'est pas le matin, donc il n'y a pas les cours. Hein. Là, c'est le vrai travail, entre guillemets. Les cours, c'est que le matin. Là, j'ai pas de garde. Ça, c'est étonnant. Ah, c'est parce qu'au début, il y avait deux pièces séparées. Et quand on les réunit, en fait, il faut réaffecter les gardes, c'est pour ça. Parce que normalement, il devrait y avoir quand même un garde. Alors, il me reste l'armurerie à déplacer. Je pense que je vais la mettre bah, par là, ici. Et je vais faire un deuxième atelier. J'espère que ça va fonctionner. J'en ai jamais fait deux, j'avoue, dans une seule prison. Alors, normalement, ça devrait pas poser de problème majeur. Donne quoi là? Je trouve qu'ils construisent pas très vite quand même. Ça laisse à désirer. Je vais de nouveau, je crois, agrandir la zone de livraison. On va la mettre juste à côté de la... Les ordures, ça va, mais c'est peut-être la livraison qui pose un petit problème. Il n'y a pas trop de place, j'avoue. Il y a quand même des quelques prisonniers qui travaillent à la cuisine. Pas des masses, je trouve, mais... Je crois que je pourrais me permettre d'agrandir la cuisine pour en avoir plus. C'est prévu, hein. C'est au programme. Courrier. Parce que là, ils ont même pas eu le temps de nettoyer, quoi. C'est quoi ce bazar? Alors, ce que je vais faire déjà, c'est prendre 5 prisonniers de plus. Ah, je pense que la valeur de ma prison a bien chuté, là. Ouais, j'ai eu un décès.
ça aide pas. Et là, ils ont toujours pas fait ce que je leur ai demandé. J'ai l'impression qu'ils sont en train de s'y mettre là quand même. Ah oui, c'est vrai que j'ai tiré un tuyau tout le long là. J'avoue que j'avais oublié ce détail. Allez, c'est parti. Je vais préparer 6 cellules de plus. Là, je vois pas s'il y a une porte. Si, il doit y en avoir une. Je vais la maintenir ouverte. Et je vais tout de suite prendre 11 prisonniers. Ah, donc là, connecté ici. Alors, c'est peut-être en effet une question d'électricité. On va très vite être fixé. J'espère qu'elle va tourner. Ouais, elle m'a l'air de tourner dans le bon sens. Question repas. 93, c'est pas trop mal, ça se maintient. C'est pas tout à fait fini d'ailleurs. Je pense qu'il me reste. Ah, il me reste 10 minutes, hein, donc c'est un peu cuit. Ah, lui, il a besoin de drogue, mais à part ça, pas grand chose. Hein. 94, ok, c'est la limite que j'ai obtenue. Tiens, je vais bientôt pouvoir réinstaller mes télés. Non, mais là, ils abusent un peu quand même. Ils sont toujours pas prêts. J'ai pas envie non plus de recruter des ouvriers. Remarque, ça pourrait être bien quand même. Les ouvriers servent pas seulement à construire, hein, ils transportent aussi pas mal les ordures et tout ça. Je pense qu'ils aident aussi à transporter la nourriture aussi. Ça, je suis pas tout à fait sûr, mais je crois. Je vais en prendre deux de plus. De toute façon, voilà, financièrement, c'est pas trop mal. Ouais, voilà, les ouvriers transportent aussi les ordures, donc c'est peut-être pas mal de... de mettre un petit peu plus de personnel. Et là, ça veut toujours pas le faire. Ils sont tellement occupés à faire leurs tuyaux. Oh, ok. Alors, pour l'instant, j'ai pas eu d'événements. Ça fait partie des événements qui peuvent se passer dans la prison. Honnêtement, pour l'instant, j'ai jamais rien eu de très très méchant. Je sais qu'on peut avoir des choses genre incendie. Et ça, c'est beaucoup plus violent. Mais j'ai jamais eu, hein, jusqu'à présent. Je vais installer un peu plus de téléphone. Ok. 9 prisonniers ont de sérieuses plaintes. 2 prisonniers sont enfermés. On s'en fout, tant pis pour eux. Ils veulent ma mort là, sérieux. Ils vont pas installer. Alors là, c'est parti. J'aime bien cette fonction dupliquée quand même. Hein. Y a pas à dire. Il suffit de bien s'en servir, ça, c'est quand même intéressant. Finalement. J'avais quelques doutes. Donc là, je suis obligé de déployer un garde ici. Je vais être obligé de tirer des câbles électriques encore. Ah, il faut aussi de l'eau. Décidément. Ils vont passer leur temps à ça. Ok, donc là, ils en ont encore pour un certain temps. Et là, il n'y a pas d'électricité, sérieux. J'ai oublié. J'ai oublié que pour les machines, il fallait vraiment apporter l'électricité au plus près. Combien d'heures avant les prochains prisonniers? 3 heures. Je pense pas que ces cellules seront prêtes.
Par contre, je peux aller jusqu'à 121. C'est ça, ouais, j'ai fait le bon calcul. Famille, ouais, mais famille. Va peut-être falloir que j'agrandisse le parloir. Visiteurs, 5 familles en attente. Et j'ai que 4 tables. Ça pose peut-être un problème. Ça pose en effet peut-être un problème. Mais alors, ça veut dire qu'il faudra une salle plus grande. J'ai plus d'argent, moi. À chaque fois, j'emprunte. Je vais bientôt toucher. Enfin, je vais toucher les 16 000 dans une journée. Donc ça va être pas mal. À mon avis, ça va bien aider. Là, va y avoir un problème. Faut que je fasse une porte. Comment je fais? Ouais, je vais faire une porte parce que. Sinon, on va au-devant de gros gros soucis. Donc, il faut que je fasse. Merde. Ok, et je vais enlever les pommeaux de douche, je pense. Sinon, il va y avoir des inondations si je les laisse au-dessus des. Ouais, je pense qu'il faut que je les enlève. C'est pas grave, hein. Les douches sont bien assez grandes et puis surtout je vais en faire une nouvelle série ici. Ah bah voilà, ça fonctionne. Et en plus elle fonctionne toute seule. Ouais, c'est parfait. Bon, je suis à 20 et 20, donc là on est bien. J'ai touché mes 5 800 $ déjà, ouais, ça va vite. Donc là on va repasser à. On va fermer pour l'instant. Ok. Je vais rediminuer un peu la vitesse. Ce que j'ai oublié de faire, c'est les fenêtres pour toutes les nouvelles cellules. C'est pareil, ça fait pas partie du modèle, donc faut les rajouter après. Ok, là il y en a, c'est des anciennes cellules. Par contre, là, il va pas y avoir. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un avocat de conditionnel. Du coup, j'ai fait une salle trop grande. C'est bien dommage. Faudra que je me renseigne quand même parce que ça me paraît bizarre. Alors, il me reste l'armurerie à caser, qui peut être relativement petite. Et par contre, c'est. Là, je l'ai fait trop grande, honnêtement. Si je regarde. Elle fait 8 par 12, ça fait 96 mètres carrés. Je la ferais bien. Je suis encore trop grand. Je vais laisser une place. Je sais plus ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai dit 96 mètres carrés, j'ai dit qu'il fallait que je fasse plus petit. Hein. Alors en fait, elle fait pas tout à fait ça. Hein. À l'intérieur, elle fait 6 par. Si, elle fait 60 mètres carrés. Hein, ouais. Donc si je la fais comme ça, elle fera 140. Là, elle fera 81 mètres. Là, elle fera. 84, ouais, mais une petite vérification. Armurerie, il n'y a pas de condition sur la taille, donc elle peut faire 3 mètres de large, peu importe. Donc en clair, c'est ce que je vais faire. Si je la fais de 3 mètres de large, par exemple, 4 par 14, elle sera un peu plus petite, ouais. Voilà, et là je ferai un grand atelier, mais j'ai plus d'argent. Donc pour l'instant je vais rien faire du tout. Alors j'ai perdu deux détenus. Normalement j'aurais dû être à 121 sur 121. Je pense qu'ils ont été libérés sur conditionnel, mais j'avoue que j'ai rien vu. Bon, c'est pas très grave.
Ah, ça, c'est la famille. Donc, il y a quatre groupes. Je pense qu'on va à peu près faire le plein, que tout le monde sera heureux. Ouais, ça fait beaucoup de monde en prison, dans la prison. Alors là, ça va être super rapide. Je vais pouvoir mettre ma petite porte blindée. Et définir la pièce. Toc. Armerie. J'ai envie de mettre un autre garde. Ça va me coûter cher, mais bon. Je suis rendu à 3 gardes pour l'instant. Pourquoi il transforme pas la pièce là? Elle est peut-être pas finie. J'espère qu'elle va pas bugger. Hein. Non, j'ai l'impression que là il manque un petit carré. Ouais. C'est parfait. Alors, il nous faut électricité. On va se mettre une lampe. Ouais, deux, allez, parce que. Il leur faut bien ça. Et là, je vais tout démonter. Je vais démonter jusqu'à la porte d'ailleurs. J'en ai plus besoin ici. Ok. Alors. Je sais pas comment faire pour augmenter mes revenus. Je pense que l'investissement à court terme déjà, je vais en refaire un tout de suite. Il y a aussi cette la formation là. Comment ça se fait que j'ai jamais fini ça? Disposer de 10 prisonniers ayant réussi le programme de formation scolaire pour débutants. J'y arrive pas. C'est dommage. Donc là, ils sont en train de tout démonter. Sauf que je vais changer ça. Hein. Je vais en mettre un de plus, je crois. Tout simplement. Casier de gardien, je vais en mettre 4. Râtelier d'armes, je vais en mettre 4. Et un banc. Non, c'est une table qu'il me faut. Je sais jamais. Une table, ouais. Voilà. Et je vais définir des nouvelles patrouilles de gardiens. Patrouille armée. Alors ça faut que j'enlève. Ça faut que j'enlève. Par contre, je vais le rallonger là. Pas tout de suite d'ailleurs. Je vais aussi prendre un chien de plus pour trouver les tunnels. Et là, il faut que je me fasse un parcours de plus. Voilà, ça rame. Ouais. Il y a une patrouille de chiens ici. Ce qui veut dire qu'il me faut quand même. Remarque la patrouille de chiens ici, je sais pas trop si elle me sert. Ça m'étonnerait qu'ils fassent des tunnels par là. On ne sait jamais. Alors, c'est parti. Il me faut un maître chien. Du coup, il va me falloir peut-être. Une niche de plus. Je sais pas si c'est une niche par. Ouais, une niche par chien, je pense. Ils appellent ça des caisses de chiens. Moi, j'étais plus sympa, j'appelais ça des niches, mais enfin bon. C'est pas grave. Je prends un concierge de plus. Ah, je peux avoir plusieurs avocats, j'ai l'impression. Je peux avoir aussi plusieurs psychologues. C'est vrai que je m'en suis pas inquiété. Bon, je vais voir ça. Pour l'instant, ce que je voulais faire, c'était le garde, mais je le trouve pas. C'est celui-là. Personnel maximum atteint. Je sais pas ce que fout le prisonnier ici. Faut que j'interdise cette zone. Absolument, parce que bon, il y a quand même des armes à feu. Tant pis pour le nettoyage.
Il sera pas fait par le personnel, par les prisonniers, mais par le personnel. Il y en a encore un qui veut rentrer, quoi. Sérieux. Faut absolument que j'interdise cette zone. Désolé. Et voilà, à chaque fois il se fait enfermer en plus. C'est parti. Alors, si je veux définir une zone, c'est ici. Personnel uniquement. Ok. Tout ce qui est bureau, j'ai envie de mettre personnel uniquement. Oh non, remarque, non, pas forcément. Bon. Alors, on est sur une période de travail. Tout a l'air de plutôt bien se passer. Tout le monde travaille ici. Là, je comprends pas pourquoi. Ah, j'en ai peut-être pas assez qui ont été formés. Il n'y a que 4 personnes qualifiées, ouais. Donc c'est pour ça que... pour l'atelier, j'ai 20 personnes qualifiées. Donc il faut vraiment que je me fasse un atelier beaucoup plus grand. Pour la poste, il n'y a pas de qualification particulière. Pour le nettoyage non plus. Pour la lessive non plus. Ok. Donc en fait, je peux vraiment me faire un atelier plus grand. Et là, par contre, pour l'instant, c'est pas possible. Il faut que je forme plus d'élèves, mais je sais pas pourquoi ils sont pas très réceptifs, mes prisonniers. J'ai l'impression. C'est pas super, je trouve, tous ces prisonniers là. quelle heure il est? 6 heures. Ce qui m'inquiète, c'est les finances, quoi. Je pense que vraiment le meilleur moyen, c'est quand même de les faire travailler. Je vois pas d'autre solution. Et dans les cuisines, ça glande toujours autant, là. J'ai toujours ce problème de saleté. Ils cuisinent comme des fous, mais du coup, ils nettoient pas trop les... Et on va s'approcher de l'heure de manger. Et il n'y a rien de prêt en fait. Enfin, la salle n'est pas prête. Et pas prête. Compliqué. Ouais, et puis, il n'y a personne qui s'en occupe, hein, je dois dire. Ah, peut-être que là, ils vont le faire. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont fini de cuisiner, donc là, ils vont se mettre comme des fous à nettoyer, sauf que je crois que tout le monde va venir bouffer dans une demi-heure. Donc c'est trop tard. Ça suffira pas. Ce sera pas nickel chrome. Alors ce qu'il me faudrait surtout, c'est plusieurs entrées. Je crois que je vais en rajouter une ici au milieu. Ah, il faudrait vraiment que je repasse tout. Ouais, c'est l'heure du repas. Et on a fait 240 dollars en exportation. Quoi. Ah non, par contre, les exportations sont pas vendues en fait. Il faut d'abord qu'ils les enlèvent de les établis, qu'ils les amènent ici. Donc on n'a pas encore le résultat des exportations. Alors j'ai l'impression qu'en termes de nombre de repas, par contre, on est plutôt bien. Par contre, je sais pas comment faire quoi. Comment éviter cette cohue monstrueuse? Ah ouais, voilà, ça finit mal. Quand il y a autant de monde si proche l'un de l'autre. La promiscuité, c'est jamais très bon. Tiens, une nouvelle. Une nouvelle fiche d'information, je sais pas comment. Mais là, il me faut plus de flics, là. Ils font quoi, les flics? Il y en a 11 de libres et il n'y en a pas un seul qui intervient. Ah, on l'a tasé. Ok, tout le monde est calmé. Il n'y a pas une mort. Alors, par contre, il y a un truc, une histoire de taser. Mais normalement, je l'ai déjà fait, ça. Et après, il y a une histoire de formation. Je sais pas où ce que ça donne.
Confort. Ils aiment pas trop leur confort. Intimité, bon, d'un autre côté, c'est une prison, hein. Programme. Entraîner les gardiens au taser. Ah, mais ça m'a l'air de marcher, c'est où? Ah, c'est là. En fait, il faut une salle de classe. Ah, bah non, ça peut pas marcher, ça. Je suis obligé d'arrêter. Ma salle de classe, elle est prise pour autre chose. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vous laisse là, il est temps. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.